Salut à tous, c'est Dragon, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode. Donc, on va peut-être réessayer pour voir le Modern C, hein, pour voir ce que ça donne. Parce que, ben, tout simplement, c'est un peu compliqué. Parce que voilà, il y en a une course que j'ai fait arriver deuxième à l'épisode précédent et que, ben, malheureusement, c'est... Comment dire, bah tout simplement j'ai pas très bien fait la course tout simplement, donc voilà, ça a été vraiment pourri à ce point là et que bah tout simplement bah je vais la refaire quand même, j'ai porté au moins 5000, c'est cool, ce qui pourrait être pas mal, donc voilà. Pardon. Là, j'ai fait quelques modifications avant de commencer un peu. Voilà, j'ai juste mis un petit kit de carrosserie, puis j'ai enlevé l'allègement de la bagnole. Simplement, peut-être pour qu'elle soit un peu mieux. Parce que je trouve qu'elle était trop légère. Et je me dis peut-être que le kit de carrosserie ira peut-être mieux. C'est bon, on a réussi. Alors, c'est chouette de gagner, pas vrai? Ouais, mais là, ça a été dur. Franchement, ouais, c'était dur, là, fou. Ça a été dur. Bon, j'ai quand même gagné 5000. On va faire Miami. Si on peut essayer de gagner 5000 de plus pour toi aussi. L'autre suivant sera pareil, 5000. Ça sera vachement cool. Donc déjà, on sera au moins à 15000, ce qui est
pas mal, franchement. Après, pour le drift, ça va être chaud. Parce que franchement, j'aimerais bien utiliser certaines voitures, mais malheureusement, ça coûte bien trop cher. Et ma Golf, j'ai pas forcément envie de la changer, quoi, ça va. La revendre pour pouvoir en acheter une autre, ce qui serait chiant. Donc, je vais voir après comment ça va se dérouler. Attention, la deuxième moitié du circuit est rapide, mais méfie-toi de certains virages. Les changements d'appui peuvent te perturber la piste. Attention aussi au dernier virage, assez serré. Perdu, c'est mort. C'est mort, j'ai perdu. Voilà. Je me suis payé le poteau au moins comme ça. C'était... Je pensais que ça allait être mieux. Comme par hasard, quand tu me donnes un petit coup de machin, ma voiture en va dans le décor. C'est comme tout à l'heure, tu rentres sans faire le point à la machine. Continue de rester accroché à toi. Ah,
De remonter à la deuxième place. Sinon, si j'y arrive pas, je vais essayer de trouver une autre voiture pour pas trop cher. J'aurais préféré plutôt faire autre chose, mais bon. On est troisième. Toi, j'ai aussi été premier, mais bon. Toi, c'est. Je ne sais pas, je l'ai pas encore fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre après en termes de course? Il y a quoi? Festival? Ah ouais! Ok, c'est par étapes. D'accord, il n'y en a qu'un seul, ok. Continue ta tour. Dakota Amérique, Suzuka. Toi, c'est de Margarine, c'est l'Europe. Et après, il y a quoi ici? Le Drift et l'Illuminator. On va déjà peut-être finir un jour, moi, la course. Là, on est en mission. Faut que j'aille quand on les refera. Tant pis. Parce que bon, c'est vrai qu'avec une Golf, bon. Je suis pas très très performant. On va voir ce que ça donne. Thank you.
Excellent. C'est ce que j'appelle une belle victoire. Un mille de cache. Ça c'est tout ça. Et il y a une Porsche. Pourquoi pas, ça peut être intéressant. Franchement ouais, ça peut être intéressant quoi, si tu peux avoir une Porsche. C'est cool. Il y a deux voitures qui m'intéressent au moins. La chance d'ailleurs qu'il a été lancé. Modern B, ok. Il y a toi et il y a toi. Ah, je les ferai peut-être un peu plus tard. Est-ce que je vais déjà les voir? C'est en magasin. Parce que 320, on est quand même très loin. 34 aussi. C'est... Là, il reste 4. Il y a 79. Ouais, effectivement, pas loin. TTD, R8, ouais, 65. Camaro 138, oui, effectivement, Cobalt. Corvette C6C, oui, tu m'étonnes. Stingray 95, ok, oui, tu m'étonnes. Ça, c'est un T3. Ah, c'est quoi, Charger, c'est l'ancien. T1, c'est, bah oui, qui approche. T'as quoi? T'as le Focus RS, mais malheureusement c'est en traction. Shelby 61, effectivement. Et t'as vélo qui m'intéressait, voilà. 84, et voilà, je m'en fais. Allez, il faut dépenser les sous. Il y a une portion, bien sûr. Donc, je vais voir pour le drift, parce qu'il disait 10 épreuves. Ok, c'est donc toi le pilote dont tout le monde parle. Alors comme ça, il paraît que t'es pas mauvais au drift. Drifter, c'est l'art de contrôler sa caisse. Il faut faire déraper sa voiture et prolonger la glisse. On commence sur des parcours faciles. Mais si t'as le niveau, je t'emmènerai dans le temple du drift à Ibisu au Japon. Fais tes preuves et tu seras invité à courir dans la capitale du drift californien, Irwindale Speedway. Tu verras, ce sera très chaud pour remporter le championnat. Mais si tu gagnes, à toi ma Ford Mustang sponsorisée par Falcon et Monster Energy. Ça, au début, le drift aux États-Unis, c'était plutôt confidentiel. Pour pouvoir s'entraîner, la seule solution, c'était des aérodromes et des usines désaffectées. C'est exactement comme ça que j'ai appris le drift. En faisant des dérapages sur des parkings, juste pour m'amuser. Il faut que je te dise, Drift Alliance a été assez cool pour te prêter une super S13 à maltraiter. Commence par faire de grands cercles autour d'un poteau dans le sens anti-horaire. Puis, tourne un peu plus sec en accélérant. Tu dois parvenir au parfait dosage entre contre-braquage et accélération pour prolonger le drift. Trop de gaz, c'est le tête-à-queue. Pas assez, la glisse s'arrête. Tout est question de dosage, je te dis. Monte dans cette S13 et éclate-toi bien. Ouais, cool. On va essayer d'en faire quelques-unes. Vu que de toute façon, ils nous en prêtent une pour commencer. Alors, pourquoi pas, hein.
plat. Pour commencer, tu vas rouler en décrivant un cercle. N'accélère pas à fond, mais essaie d'aller assez vite. Ah, c'est pour que je fasse 200 points, d'accord. À glisser dans l'autre direction en un clin d'œil. Engage-toi avec un petit coup de frein à main, tes freins arrière se bloquent et la glissade peut reprendre. Fais gaffe, vas-y mollo avec le frein à main, sinon c'est une tête à queue. Ouais, bah ça, j'ai pas beaucoup de frein à main pour faire une tête. Allez, montre-moi un beau lit bien fluide. Faut surtout déjà avoir déjà une bonne vitesse déjà. Objectif 200, ouais c'est les 200 points moi qu'il faut avoir. Ça devrait pouvoir aller. Ok, si t'es prêt, on va voir ce que tu sais faire. Yeah.
Hey, j'ai un problème, je suis plus drifté. Alors ça, je trouve ça juste cool. Tes pneus sont morts. Et voilà. Je suis obligé de recommencer parce que bah, c'est de la merde. Voilà. Les pneus sont morts, pourquoi? Voilà. À bien utiliser le frein à main. Ah, mais là pour le moment, c'est un peu hors de moi. Au final, ça ne sera pas. Il faut accéder par petites touches pour grip de s'enlever. Ça a commencé. Qu'est-ce que tu veux réussir? J'ai rien touché, j'ai déjà crevé. Hein? Vous voulez que je fasse quoi avec ça? Les pneus sont crevés. Et comment je dois faire maintenant pour faire le drift? Non parce que c'est bien une question d'erreur. Bien. Je peux rien faire, voilà. Je suis obligé toujours de recommencer parce que c'est mort. Ok, si t'es prêt, on va voir ce que tu sais faire. Je vais essayer de revoir encore, mais si ça marche pas, j'arrête, hein, ça sert à rien. Franchement. Parce que si c'est juste au bout de quelques tours, pas même pas. Si c'est au bout de quelques tours pour dire que tu peux rien faire, parce que tout simplement les trucs finissent par crever, je ne sais quelle raison. Hein? Ça sert à quoi d'utiliser le frein à main, je veux dire? De base, si t'arrives juste à le faire glisser, t'as pas le frein à main. Elle a trop peu de puissance, qu'est-ce que tu veux souffrir? Je veux en premier. T'as un demi-tour d'arrêt, je veux pas ça. Il faut l'accélérer par petite touche pour grip s'enlever. Pas, hein? Alors vraiment, plaisir à son lit. Il va plutôt bien à l'avenir. Pour quelqu'un qui débute. Allez. C'est pas possible, ça. Yeah.
Allez, voilà. Un est plus pété. Un. Non, les deux en plus. Bah, il me reste 5 points là, quoi. Putain, c'est pas possible ça. Et ben voilà ce que j'appelle du bon drift. Je crois que t'es mieux pour la prochaine leçon, qui sera la dernière. Ouais, bah, on verra ça plus tard. Ouais, ici Von Gieting Junior pour notre dernière leçon de drift, le slalom géant. En gros, pour ce genre de slalom, tu dois drifter autour d'une ligne droite. Il faut utiliser le transfert de masse pour commencer ton drift. Une fois ta vitesse suffisante, engage le drift en balançant ta voiture dans une direction et contrebraque rapidement dans le sens du drift suivant. Pour enchaîner deux drifts, serre-toi du frein à main pour faire pivoter la voiture plus rapidement. Commence doucement et augmente la vitesse dès que tu te sens plus à l'aise. N'en fais pas trop dès le départ. Ouais. Pour l'instant, on va faire simple. Commence d'abord le truc et tu pourras brûler de la gomme sur le parcours tout entier. Une fois que tu maîtriseras tout ça, tu pourras prétendre à devenir un jour pilote professionnel de drift. Sors le grand jeu et compte pas sur moi pour faciliter la vie. Bon, là, on s'active un peu pour finir ça, parce que bon, il y a déjà plus de 30 minutes déjà de vidéo. Ça a mis énormément de temps, parce que, bah, tout simplement, à un moment donné, tu sais même pas pourquoi d'ailleurs, les pneus se mettent à péter comme ça. Il y a eu grand n'importe quoi, sachant qu'ils forcent même pas. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Comment veux-tu réussir, toi? Ok, on va y aller! Automatiquement à chasser, et puis c'est pas pourquoi, mais... je veux dire, t'es pas haut de vitesse, t'as rien de spécial, mais t'es pas pourquoi, elle se met à chasser. Ah, mais c'est encore un peu timide tout ça. Ah,
c'était très correct de tout ça. Maintenant que t'as tout le circuit pour t'éclater, tu peux y aller sans arrière penser. Nouvelle voiture débloquée, cool. Même si c'est pas le mieux, franchement. Enfin, franchement, elle est très bien sans doute pour le drift, mais là, leur réglage de. C'est pourri. C'est pourri. Elle a pas de puissance, elle tourne même pas, fait pratiquement pas grand chose. Qu'est-ce que tu veux te refaire? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Allez, bonne chance, la prochaine fois, je serai moins sympa avec toi. Eh ben, on va s'arrêter là, hein, les gars. Hein. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter et à partager.